de nos deux organismes, effectivement, est née une union il y a 20 ans, on va dire, décidée dans le cadre notamment du maintien de la biodiversité, de la protection de la nature et de l'environnement, des espaces naturels sensibles, etc. Le département d'Indre-et-Loire est désireux de travailler avec le CEN, non seulement depuis 20 ans, mais de continuer également à travailler avec lui. Alors, des associations emblématiques hein, que l'on connaît, puisque nous avons investi et travaillé sur deux sites importants que sont l'éperon Barrel-Murat, qui se trouve dans le sud du département, et le second, les Puits du Chinonnet. Les deux conjugués représentent une centaine d'hectares dans ce cadre que vous gérez pour le compte du département. Ici, on est sur un site naturel absolument majeur, mais on est aussi sur un site historique majeur. L'éperon Barrel, c'est que les hommes du Néolithique ont construit ce village ici, à la pointe, au confluent des deux vallées, on a une sorte de protection naturelle. Ils l'ont parachevé en triangle en construisant un vallum qui est un mur. Et donc, on a l'ancien site. Et puis, je rappelle tout de même qu'on est à une portée d'arc préhistorique du Grand Précigny, qui est un des sites les plus majeurs au monde sur la recherche préhistorique et l'existence de nos ancêtres ici, dans ce territoire très riche. Alors, premier point, c'est que je suis persuadé depuis toujours qu'il faut que cet espace soit protégé comme il l'est aujourd'hui. Deuxièmement, je connais le conservatoire depuis longtemps et je sais que c'est quand même un organisme auquel on doit faire confiance parce que vous avez une action qui est complètement indiscutable et partout. Et puis troisièmement, le rôle d'un élu local qui connaît bien les gens, c'est fondamental. Il faut un intermédiaire. Vous savez, ce n'est pas toujours évident pour les agriculteurs de voir ces champs repartir à autre chose que l'agriculture. Je pense que j'ai pu les persuader parce que j'avais confiance en vous, ils ont eu confiance en moi. Cette notion partenariale de développement est aussi à un coût financier qui permet à votre organisme de vivre, évidemment, puisque vous avez un nombre de collaborateurs, d'une organisation précise, d'une façon de travailler qui est appréciée de la part du département, et surtout qui permet d'accompagner, je dirais, les plus jeunes et les moins jeunes dans le cadre de la pédagogie liée aux espaces naturels sensibles. Ce que j'attends d'abord du conservatoire, c'est tout d'abord une expertise. On est très conscient des richesses qu'on a ici, mais on ne sait pas aller jusqu'au bout de la définition très précise. Et puis, ce qu'il nous faut aussi, c'est un accompagnement. Dire qu'on a un endroit qui est précieux, riche, patrimonialement, c'est bien. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est comment on peut le mettre en valeur, comment on peut le rendre accessible à tous, comment on peut mettre à portée de chacun une culture qui, finalement, est très technique et très compliquée.